Un corbillard, l'image est un peu forte, mais attention, selon plusieurs conseillers écolos, le bois de la Campe pose problème en termes de sécurité. Derrière ce problème, selon eux, sa situation géographique. Derrière moi, c'est Uccle. De ce côté-là, vous avez la ville de Bruxelles. Et l'abribus que vous voyez là, finalement, c'est un abribus qui amène essentiellement des enfants qui vont dans les écoles d'Uccle, mais qui viennent d'Ixelles. Donc, comme toujours, on est un peu à la frontière de trois espaces communaux de Bruxelles. Et ces espaces connaissent souvent des problèmes de gestion. Ici, l'abribus en question, avenue Saint-Job, a visiblement connu des jours meilleurs. Cet abribus a été complètement démoli et donc depuis, il n'y a plus de vitres, il n'y a plus de plafond. On voit bien qu'au début, on a vaguement sécurisé. Alors pendant quelques mois, il y avait du verre partout et une partie du plafond en verre qui menaçait de s'écrouler. Un abribus très fréquenté par les élèves de l'école de Crolly, toute proche, durant l'année. À quelques mètres de l'arrêt, c'est un feu de signalisation pour les piétons qui fait défaut face aux voitures. Ici, chemin des patineurs, pas évident de relier les deux côtés du bois, coupé par la circulation. Il y a énormément de gens qui passent par ici, la vitesse des automobiles est rapide et il n'y a pas de passage pour piétons. Mais ce n'est pas le problème principal. Le problème principal, c'est l'état des chemins qui est catastrophique. Des points noirs listés par une députée et trois conseillers d'Ixelles, d'Uccle et de la ville de Bruxelles. Pour eux, la gestion du bois doit passer de la ville à la région. Pas nécessaire, dit la commune. On est maintenant commencé avec le marquage du sol. Et puis après, on va aussi améliorer la signalisation. C'est un travail énorme parce que le bois de la Campe, les voiries, c'est plus que le centre-ville. C'est plus grand que le centre-ville. Des travaux prévus pour la rentrée, dès aujourd'hui, le fameux abribus a eu droit à un sérieux lifting.